Ben, le plus beau souvenir, c'est quand nous sommes rentrés au cirque d'hiver. Ça a été un beau souvenir de voir toute la famille, d'être au cirque d'hiver. Et maintenant, encore maintenant, quand il y a une fête, quelque chose, c'est sensationnel. On est 100, 200 personnes pour faire une fête. Mon anniversaire, l'anniversaire d'un de mes enfants. On avait embarqué tous les animaux, les chevaux, les éléphants, les girafes, nos caravanes, les artistes, tout sur le paquebot. À un moment donné, le capitaine du navire vient voir mon père et on va acheter les éléphants. Et mon père a dit non, vous ne pouvez pas acheter les animaux. Et le bateau devait se lever. Et il y a eu un miracle, le bateau s'est levé. Et on a gardé les éléphants. Celle que l'éléphant a bousculé. La calasse. Non. La calasse aussi, oui. L'éléphant a manqué de la renverser et c'est mon mari qui a arrêté le petit éléphant. Un petit éléphant qui était déjà comme ça. Il ne voulait pas que la calasse approche mon mari. Il était jaloux. Voilà. Voilà. Hein? Il aurait dû commencer par moi. Au lieu de commencer par l'éléphant. Écoutez, mon cher. Il a fait une chabraque pour l'éléphant. Sensationnelle. T'es jolie. Mais à moi, rien. Et quand on sortait, le gorille n'était pas content. Alors, on le mettait dans la salle de bain. Il faisait la tête, quoi. Et quand on revenait de notre promenade, notre gorille avait tout démonté, toutes les chaînes, tout ce qu'il y avait, pour se balancer, faire une balançoire dans la baignoire. On est arrivé. Il était allongé et il se balançait. On est arrivé à Marseille, encore avec le gorille, et mon mari dit, je vais aller à la poste voir si on a du courrier. Et mon gorille s'est mis au volant et il tournait le volant comme ça. C'était le chauffeur. Et il klaxonnait. Et la police est arrivée. Madame, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, écoutez, j'en peux rien. C'est lui, c'est le gorille, là. Puis il se tenait au volant comme un chauffeur. Vous êtes mariée dans une cage. Dans la cage, oui. Et le curé... Quand il a vu que moi je rentrais, il voulait rentrer dans la cage aussi. Alors mon mari a dit non, c'est trop dangereux, on peut pas vous laisser rentrer. Je travaillais déjà avant moi avec des lions. Ça c'était à Bobino en 1927. C'était la danse serpentine, c'était pas difficile. C'était une grande robe avec des bâtons, ça faisait le papillon.
C'était pas... Le plus dangereux, c'était de rentrer dans la cage avec les lions. Mais comme papa était là et qu'il faisait attention, j'avais pas peur. Nous étions dans la caravane et le banquier était venu nous dire bonjour. Et il tenait son chapeau à la main, comme ça, et la petite panthère était par terre. Et d'un seul coup, la panthère, elle a tout mangé le chapeau. À cette époque-là, il mettait des chapeaux melons. C'était en 1928. Alors, il était par terre, comme ça, et la panthère, il a tout mangé. Quand il a voulu mettre son chapeau, il a dit... Et j'avais un perroquet. Vous devez le voir là-dedans. Coco était très insolent quand je le laissais seul, que je sortais. Quand je rentrais, que je l'avais laissé seul, il m'insultait. Je ne peux pas vous dire les paroles qu'il disait. Travailler. C'est tout. Nous, on a toujours beaucoup travaillé. Je pense que c'est ça qui entretient. Je pense. Et vous mangez quoi? Des frites. Je suis belge. Oh, elle mange très bien. Bah, c'est le pilier de la famille, elle a toujours été là pour nous. À chaque fois qu'on débute le cirque d'hiver, elle est aux premières loges. C'est sacré. Dans la famille, on est tellement liés qu'on ne peut pas se séparer. Voilà. On est tous au cirque d'hiver et on a vécu ensemble, on a grandi ensemble. Donc pour nous, c'est obligé qu'on reste ensemble toute notre vie. Au cirque d'hiver.